Alors, bienvenue à cette grande finale du Provincial Tankard Hardline en direct de l'Arena Mistook de Saint-Cœur-de-Marie, ville d'Alma. Alors, l'équipe favorite du tournoi, Félix Asselin, et les prétendants au titre, l'équipe de Vincent Roberge, s'affronteront pour un duel qui promet d'être chaudement disputé. Alors, Robert Desjardins, votre autre analyse en compagnie de Véronique Bouchard. Bonjour, Véronique. Allô, Robert. Désolé, j'avais des petites choses à régler. On en règle beaucoup cette semaine, mais ça se passe très bien, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment... Alors, pardon, je viens d'ouvrir mon micro. Ça s'est vraiment très bien passé. On a une collaboration incroyable de Ville d'Alma et de ses employés. On a des bénévoles en or. L'assistance était au rendez-vous. Quoi, que demander de plus? Alors, on est vraiment... Une victoire de ton copain en demi-finale, mon amoureuse. Oui, une victoire, mais il a oublié de se présenter. Oui, absolument. Matin. À demi-absent, Desjardins à demi-absent, donc une demi-finale qui a été quand même très intéressante. Trois bouts de trois points consécutifs alternés entre les deux équipes. Et malheureusement, le troisième fut fatal pour l'équipe Desjardins. Mais néanmoins, là, Félix Asselin, quand même une équipe qui présentement est dans le top 25 mondial. Alors, ils méritent définitivement leur place en finale. Ah, tout à fait. Une victoire de notre trois quarts senior aurait été une surprise. Ça aurait été effectivement une surprise. Sans vouloir t'enlever aucun crédit, l'équipe de Félix Asselin était définitivement l'équipe favorite ce matin. On a vu la qualité du jeu aussi cette semaine. Trépanier comme premier, qui ne rate jamais. Ensuite, évidemment, Martin Crête, dont la réputation n'est plus à faire. Vraiment. Qui est-ce? Je sais pas. Ah, celui qui est allé de multiples fois au Brailleur avec Jean-Michel Ménard. Oui. Et qui maintenant s'est trouvé... On se posait la question hier. Oui. Il est allé une fois comme capitaine aussi, n'est-ce pas? Une fois comme capitaine, en compagnie de Philippe Lemay comme troisième. Voilà, c'est... Disons-le, avec un succès mitigé cette année-là. Exactement. Parce que Martin, là, c'est un troisième tellement extraordinaire que de le faire jouer à n'importe quelle autre position, c'est de la gaspille. Mais c'est pas pareil du tout. Tu vas avoir des troisièmes qui sont absolument incroyables, qui ont plus de misère à supporter la pression de lancer la dernière pierre. Je ne m'aventure pas en disant que c'est le cas de Martin, mais il y en a beaucoup... qui n'aiment tout simplement pas ça et qui adorent leur position de troisième. Absolument. Puis dans le cas de Martin, je pense qu'il est simplement au courant que c'est sa meilleure position pour lui. Donc, lorsqu'il se trouve... Pourquoi changer une recette gagnante? Il ne rate jamais rien. Voilà. Alors, lorsqu'il trouve un capitaine de qualité, et là, ben, on peut le dire, là, il s'est trouvé une jeune panthère à la personne de Félix Asselin, tout qui a une année exceptionnelle. Oh, merci, mademoiselle Laurie Saint-Georges qui vient de m'apporter de l'hydratation pour cette finale. Oui, Laurie alors, Saint-Georges qui a remporté la finale féminine hier. Oui, on voit que la semaine a été dure. Ta voix a commencé. ma voix a commencé à partir hier soir seulement, ce qui est totalement incroyable considérant la semaine que j'ai passée. Tu as une voix intermittente comme notre fille. Non, comme le succès sur mes lancers. Alors, as-tu vu l'appel, Robert? Alors, Félix qui demande le garde-centre. Alors, il va tout de suite avec une pierre offensive. Alors, évidemment, une pierre réussie par Jean-François Trépanier. Alors, on s'excuse, nous n'avons pas les angles que nous aurions normalement. Disons qu'on pourrait ici là, critiquer légèrement le travail des arbitres que nous aimons beaucoup, qui ont laissé le match commencer 6 minutes à l'avance. Alors, évidemment, des fois, certains besoins naturels font en sorte qu'on se présente à leur pile du début de reportage. Donc, on s'est fait jouer un tour. On s'est fait jouer un tour. C'est la beauté du direct. Alors, pour l'instant, vous n'aurez que la vue de la maison, mais ça ne devrait pas durer longtemps. Chance qu'on n'est pas à CBC parce que, oh là là, les arbitres auraient payé le prix. Ah oui. La bastonnade et l'écartèlement, rien de moins.
ne sans oublier la flagellation. Alors, rare erreur ici de la part de Julien Tremblay. Alors, son contournement qui s'est ramassé dans le fond de la maison. On semble vouloir commencer quand même un peu défensivement. Félix qui pourrait contourner aux quatre pieds, mais on y va pour fond maison pour enlever la pierre à l'arrière. Je crois. Alors, on a appelé un poids de bloc de départ. Et voilà. Donc, Émilie est maintenant sur place. Nous aurons donc les images tant désirées. C'est une très belle pierre en commençant la partie. Ce n'était pas une pierre simple. Non, surtout qu'en commençant la partie, parfois, la courbure peut être un peu différente quand le pebble est frais. Alors, très bien réussi ici. Alors, nous allons maintenant vous présenter les équipes en présence. Alors, du côté de l'équipe Roberge, le premier, Julien Tremblay. Le deuxième, Jesse Mullen. Le troisième, Jean-Michel Archonneau. Et le capitaine, bien sûr, Vincent Roberge, fils du très célèbre François Roberge. Et du côté de l'équipe Asselin, le premier, Jean-François Trépanier. Le deuxième, Émile Asselin. Le troisième, Martin Crête. Et le capitaine, évidemment, Félix Asselin. Jean-François Trépanier, fort probablement le brosseur le plus puissant, je crois, du tournoi masculin. Véronique, sa technique est impeccable. Et alors, la pierre... Alors, quelle puissance ici de brossage de la part de Jean-François pour éviter que la pierre accroche? Si la pierre avait un visage, on pourrait voir sa crainte lorsqu'il se met à brosser. Je vous promets, je ne courberai pas, je vous promets de ne pas courber. Quelle puissance, Trépanier. Ça fait une grosse différence dans les parties. Ceci étant dit, là, Jesse Mullen et M. Arsenault sont aussi très puissants. Tu as fait des tests toi-même avec Jesse Mullen sur le brossage. Sur un placement sans brossage et un placement avec Jesse Mullen qui tente d'empêcher une pierre de courber. La courbure, il y a une différence de 2 pieds, Véronique. Alors, Jesse qui n'a presque rien envie ici à Jean-François Trépanier, côté puissance de brossage. J'ai dit Jean-François, mais je pense que je vais mettre une égalité avec Jesse Mullen parce que j'ai vu parfois des choses qui me semblaient impossibles sur son bras. Je pensais même parfois qu'il touchait à la pierre avec sa brosse tellement elle ne voulait pas courir. Émile Asselin. Alors, on passe encore trop près du garde. Alors, la pierre qui, contrairement à ce matin, où le manque de courbure était au rendez-vous, là, les deux dernières pierres qui ont un peu trop courbé. Oui, ce matin, Véronique, la température de la glace est un peu plus froide, moins 25 à l'extérieur. Alors, ça avait des implications. On pouvait voir, il y a un senseur sur la glace. Alors, normalement, on tient la température environ à 24,5 degrés centigrades. Et non, ce matin. C'est Fahrenheit en passant. Oui, Fahrenheit, bien sûr. Sinon, on ne pourrait pas jouer au curling. Et puis, ce matin, c'était plutôt là, des alentours de 23 points quelques. Alors, ça a créé des glaces plus droites. Bon, peut-être les techniciens auraient pu compenser en ce qu'on appelle nipper, donc en nippant un peu plus agressivement. Mais je crois qu'ils ont voulu jouer ça sécuritaire. Alors, on a eu des glaces qui courbaient pas suffisamment de son ce matin. Alors, pour nos web spectateurs qui nous écoutaient ce matin, heureusement, la température extérieure est remontée dans les moins 15 degrés, beaucoup plus confortable. Ce qui va définitivement aider la qualité de nos glaces. La quantité de courbure, tout le moins. Alors, un échange de belles pierres. Une seule pierre a été ratée jusqu'à maintenant. Oui. On peut dire deux pierres. Un placement éloigné, un roule à l'extérieur. Alors, Martin Crête qui s'exécute. Alors, si la tendance se maintient, Robert, prédit-on un bout nul? C'est difficile à prévoir pour l'instant. Il y a quand même un garde à l'avant. Donc, une seule pierre qui accroche ou coule à l'extérieur, ça pourrait être un bout d'un point. Les deux dernières parties que j'ai commentées se sont soldées par un bout nul au premier bout. Alors... Encore une fois, la sortie réussie. La puissance de leurs brosseurs leur permet, pour ces deux équipes,
de venir faire des sorties avec des poids de à peine bloc de départ et ça semble facile. Ils ont tellement le contrôle sur la pierre, c'est vraiment impressionnant. Surtout en arrêtant l'impact est majeur. Jean-Michel Arsenault. Alors, on roule vers l'extérieur. On voit l'intensité là, de l'appel sur toutes les pierres. Alors, on voit je crois que qu'ici, on essaie d'éviter de donner un roule facile derrière le garde de coin. Un roule facile, bien, facile, en tout cas. Trop court. Alors, et lui-même, rouler derrière le garde de coin permettra à l'équipe adverse de s'appuyer dessus. Et comme la pierre est derrière la ligne de T, c'est pas une situation idéale. Donc, je crois pas. Même, Véronique, étant donné qu'on est vraiment vers la fin du bout, probablement qu'on ne veut même pas là, se cacher derrière le garde parce que on permettrait à ce moment-là d'avoir un placement gelé et forcé à un point. Donc, tu vois, ils n'ont pas laissé courber ici pour tenter de rouler derrière le garde-centre parce qu'on aurait, comme je le disais, permis un placement gelé. Alors, ce sera un bulle si la tendance se maintient. Oui, si la tendance se maintient, Véronique. Alors, à moins d'une erreur... Ou d'un roule parfait derrière un garde. Dans le cas de, ici de Robert, je vais rouler derrière le garde est définitivement une option. Alors, la pierre qui se décache de l'autre côté partiellement. Alors, on utilise très bien, encore une fois, la puissance des brosseurs. Première pierre de Félix Asselin dans cette finale. Il a joué quand même un fort match tout à l'heure. Peut-être raté une pierre ou deux seulement dans toute la partie. Donc, équipe Asselin qui n'a pas beaucoup raté et équipe Desjardins qui n'a pas capitalisé sur les rares erreurs. Ouais, ben, le bout de trois points nous a ramené. Il suffisait de faire un bon bout au bout suivant et nous aurions été dans le match. Alors, on sait que c'est très droit de ce côté. Hier soir, ce côté de la glace était beaucoup plus droit que l'autre. Alors, c'est réussi pour Félix. C'est réussi. Bon brossage encore une fois. Eh bien, alors, un beau contrôle du poids. On voit vraiment un poids de quelque part entre le fond maison et le bloc de départ. Alors, extrêmement bien contrôlé. Alors, le moindrement ici qu'on est un peu fort, la pierre ne courbera pas assez, on risque de rouler à l'extérieur. Oui, définitivement. Donc, dans le cas de Vincent ici, c'est certain qu'on aimerait aller chercher un petit roule vers l'intérieur, mais le risque est très grand là, d'accrocher la pierre jaune et de rouler, de l'envoyer dans les sacs. Donc, je crois qu'on va jouer peut-être de manière sécuritaire, tout le moins, s'assurer d'enlever la pierre. Et peut-être rouler. Et peut-être, c'est ça, rouler vers l'extérieur pour assurer un boule. Pourtant, vraiment ici, là, c'est s'assurer que la pierre jaune sorte des cercles. Jesse Mullen sur le brossage. Très puissant, lui aussi. Alors voilà, léger roule vers l'extérieur. Très bonne pierre, donc... On aurait peut-être voulu rouler un peu plus loin pour que le roule derrière le garde soit le roule plus difficile. Oui. On sait que Vincent Robert a obtenu l'avantage de la dernière pierre au premier bout grâce à sa victoire dans l'affrontement, la première demi-finale, le match Q1 contre Q2. Donc, même si Félix Asselin s'était qualifié Q1 et avait l'avantage de la dernière pierre, c'est Vincent Robert qui a remporté le match. Un match, je dirais, peut-être le seul match difficile pour Félix Asselin qui avait raté un peu plus de pierres. En fait, c'est plus en fin de match, je dirais, là, où il y a eu plus d'erreurs. Ça a été un début de match très, très, très serré. Des échanges de un point seulement.
pas beaucoup d'erreurs de la part des deux équipes. Alors, on aimerait rouler derrière le garde, rendre le bout nul plus difficile pour mes anges. Excellent lancé ici de la part de Félix Asselin. Alors, parfaitement caché ou presque, on force Vincent Roberge à prendre son point au premier bout. Donc, c'est une victoire dans ce premier bout pour Félix Asselin qui tira de l'arrière par un point, mais avec l'avantage de la dernière pierre dans les bouts pairs. Donc, mission accomplie pour l'équipe Asselin. Cependant, pour l'équipe de Vincent Roberge, marqué en premier, c'est toujours important dans une partie. Donc, rien de malaçon. C'est important de réussir ce placement. Alors, une bonne foule pour cette finale. La mezzanine pratiquement remplie. Alors, placement pour un point. Ça semblait avoir beaucoup de vélocité là, au lâcher de pierre. Je suis alors, un peu inquiet. On appelle ici fond du cercle de 4 pieds. Je suis un peu inquiet. Alors, on n'a définitivement pas de backing ici. Là. On ne peut pas se servir de l'appui. On doit être seulement placement, sinon ça pourrait être le vol d'un. Oh. Ouh, est-ce qu'on aura une mesure dès le premier bout? D'ici, ça semble être la pierre jaune. Mais ça semble quand même très serré. Erreur de brossage ici. On a brossé comme si on avait, disons, l'opportunité de s'appuyer, mais la trajectoire n'était pas... Alors, encore une fois, hein, ce côté de glace où la courbure est plus timide. Alors, généralement, quand on regarde longtemps, je pense que ça prend une mesure. Alors, on l'appelle M. Yves Morissette, hein? Arbitre chevronné de longue date. Alors, d'ici, va parler avec moi, c'est jaune. Que, ton opinion? Je ne me prononcerai pas. Alors, on va demander aux spectateurs à notre gauche qui ont un angle parfait sur les deux pierres. Alors, quelle est la pierre qui marque selon nos spectateurs? Jaune, c'est mon opinion d'ici également. Alors, ils ont l'angle parfait, là, même si ce serait par l'extérieur. Je n'ai pas un bon angle, moi, pour voir. Alors... Ça semble être la jaune qui marque. Oui, c'est M. Morissette nous ramène la pierre dans le centre. Alors, Félix Asselin qui vole le premier bout. Mène maintenant 1 à 0. On vous revient après la pause. Alors, de retour à l'Aréna Mistouk de Saint-Cœur-de-Marie, ville d'Allemagne, en compagnie de Véronique Bouchard, Robert Desjardins, votre hôte pour cette grande finale opposant Félix Asselin et Vincent Roberge. Petite erreur, Véronique, au premier bout. Oui, petite grosse erreur. Alors, un lancer légèrement trop fort qui n'a pas permis au brosseur de pouvoir manœuvrer la pierre.
Donc, et du côté des glaces qui manque un peu de courbure depuis hier soir. Ben... Quand même, peut-être quelques coups de broche de trop. Peut-être quelques coups si de broche. Si on ne touchait pas du tout à cette pierre, on marque le point, je crois. Peut-être. Il y a eu quelques légers mouvements de brosse. Mais rien n'est... pas du tout idée ici de critiquer les brosseurs. On s'entend qu'on s'est trompé peut-être d'un pied. Mais ça change quand même beaucoup, beaucoup, là, le momentum. Oui. Alors que Vincent Robert a travaillé très fort pour obtenir ce marteau en remportant la partie Q1, Q2, après 15 minutes, l'avantage est déjà disparu. Alors vraiment ici, l'équipe de Vincent Robert qui doit se reprendre. Alors, nous allons maintenant vous présenter les clés du succès du Chêne Auto. Alors, pour l'équipe Roberge, profiter de son marteau. Donc, prendre les devants en partant, marquer en premier, c'est exactement le contraire qui vient de se produire. Donc, ça pourrait venir les rater plus tard. Du côté de Félix Asselin, une grosse performance du capitaine. Félix Asselin est le gros joueur de cette équipe. Il doit absolument résister à la pression de remporter son premier provincial masculin et effectuer ses lancers avec beaucoup de précision. Alors, chose qu'il a prouvé cette semaine, qu'il est capable de d'effectuer. Il est définitivement capable, il a pris beaucoup dans le passé, mais là, oui. C'est la grande finale, Véronique. Pour mériter, je dis bien, mais vraiment à 100%, son premier brailleur en remportant le championnat provincial. Un peu comme Laurie Saint-Georges hier, enfin. Oui, alors qu'elle a fait. Été envoyée d'office là-bas, elle a enfin vraiment mérité, non pas pour un classement, mais bien en remportant un tournoi. Alors, Félix aussi aimerait bien faire taire là, les gens qui ont critiqué les choix, les sélections, du fait qu'ils ont été là pendant 2 ans, à baser sur les classements. Alors, on va voir s'il va réussir à y arriver, mais le départ était bon pour eux. Très bon départ pour l'équipe de Félix Asselin. Mais comme je disais, Jean-François Trépanier ne rate pas. Alors, les bouts sont toujours partis de façon impeccable. Et ça... pour un capitaine, ça fait une grosse différence. N'est-ce pas, Robert? Oui, absolument. Absolument. Tu as 100% raison. Ça promet. Donc, ici, la situation est quand même très intéressante là, pour l'équipe de Vincent Robert. On a un garde de coin qu'on peut utiliser. Il y a des pierres jaunes qu'on devra quand même, avec lesquelles on devrait négocier. Alors, ici, on doit être extrêmement précis, passer très près du garde. Et non, ça ne sera pas réussi. Ça semble ne pas courber assez. Ça s'en va directement sur la pierre à l'arrière. Alors, c'est une pierre partiellement réussie. On est quand même au moins demeuré dans les cercles. Et la pierre rouge reste toutefois vulnérable. Oui, mais elle est surtout demeurée dans les cercles. Elle donc, est demeurée dans donc, les pour heures. Vincent Roberge, ça fait toute la différence. Alors, donc, une double sortie ici, demeurée dans les cercles. Et on a un ratio, 2 pierres rouges pour 1 pierre jaune, donc. Et un garde de coin toujours présent, donc. Présentement, ça se dessine, là, si on lance de bonnes pierres, bien sûr, pour un bout de 2 points pour l'équipe de Roberge. Alors... Jesse Mullen, double sortie. Alors, qui n'est pas allé ici d'un poids F35, parce qu'on veut garder la pierre dans les cercles. Donc, et le poids voilà. F35 ici voilà. aurait là, envoyé la pierre lancée par Jesse... à l'extérieur des cercles. Donc, très belle pierre ici avec un poids de bien sélectionné. D'avion de ligne. Un avion de ligne. Un poids pas. Petit avion pour la chasse dans un boisé près de chez vous. Alors donc, Martin Crête ici, il a d'autre choix que de frapper cette pierre dans le 12 pieds et peut-être rouler vers la droite. Protéger la pierre qu'ils ont déjà dans les cercles ou rouler sur la ligne de centre pour se donner des opportunités plus tard. Alors. Martin Craig qui ne rate à peu près jamais. Alors, très beau lancer. Bel appel de la brosse aussi. Il y a cependant ici un frappé roulé derrière le garde de coin. Le double sortie n'est pas nécessaire. On doit enlever la pierre jaune et aller se camoufler derrière le garde de coin. Et là, ça devient vraiment intéressant pour 2, peut-être même 3, si l'autre équipe s'enfarge un peu.
Un beau bout de curling, Véronique. Oui. Pas beaucoup d'erreurs ici dans le bout. Extérieur, M. Arsenault. Je crois qu'on court peut-être un peu trop. Oh, malheureusement. Alors, la pierre qui courbe trop. Aurais-tu joué avec l'autre rotation, toi, Robert? Je crois que oui, honnêtement. Oui. Tenter vraiment d'aller rouler dans la garde sans nécessairement essayer la double sortie tout de suite. Alors, je crois qu'il essayait plus la double sortie. Si en fait, il voulait faire tout en même temps. Okay. La double sortie et rouler derrière le garde de coin. Peut-être. Ce qui aurait été extrêmement bon, mais comportait peut-être un plus grand niveau de risque puisqu'on pouvait moins contrôler la pierre. Mais si la pierre avait été réussie, ça aurait été très payant. Alors, on voit Félix Asselin ici qui voudrait séparer le cercle avec deux pierres jaunes. Oh! Félix Asselin qui voudrait enlever la pierre rouge et demeurer dans les cercles. Martin Crête qui, avec le temps, Véronique, a commencé à un peu plus s'impliquer dans la stratégie. Au début, commençait avec Félix. Disons, on le laissait beaucoup aller des fois dans des choix de jeu, peut-être parfois trop risqués pour la situation. Comme là, malgré qu'il a mentionné qu'il trouvait ça dangereux, ils y vont quand même pour ce choix de jeu. Donc, on verra s'ils réussissent. C'est certain qu'enlever la pierre rouge et demeurer dans les cercles, du côté gauche, c'est la meilleure pierre, mais c'est plus dangereux. Alors, Martin Crête, étant Martin Crête, évidemment, réussit le lancer à la perfection. Ah oui, Martin qui réussit à peu près tout. Des brosseurs ultra puissants. Il maîtrise très bien. Félix Asselin, honnêtement, pour son jeune âge, est excellent pour l'appel de la brosse. Alors, l'opportunité, c'est M. Arsenault. Avec un roule derrière le garde de coin, on se positionne pour notre deux points quand même. Excellent résultat. La pierre, on la voit, mais quand même pas beaucoup. Un demi. Donc, on ne peut pas vraiment l'enlever. Et je crois qu'il le laissait quand même. Oui, on peut l'enlever, Véronique, mais on ne peut pas vraiment l'enlever et demeurer derrière le garde. Donc, sur son prochain lancer, Vincent Roberge pourra, s'il le désire, faire le tour du garde de coin pour marquer son deux points. Bon, à moins, évidemment, que Félix ne réussisse la pierre avec un poids de bloc de départ. Fond de la maison. Avec brossage incroyable de Émile. Ils nous en ont tellement fait plusieurs comme ça que. Il ne faut pas négliger la possibilité qu'ils réussissent. On peut voir le trophée à l'écran. Ça semble très bien. On appelle ici la courbure. Très belle pierre encore une fois. Véronique, écoute, Jean-François Timpagny avec les brosses légales est le premier joueur que je vois qui me fait vraiment croire qu'on peut la faire courber plus. Mais de mes yeux vus, en regardant le match, là, honnêtement, il va chercher quelques pouces. Pour les poids de sortie utilisés, le bloc de départ, fond de la maison, on peut voir... J'ai plus de doutes quand on a une sortie F-35 et qu'on essaie de faire courber la bière. Ça, c'est inutile. Alors, tel que je l'avais annoncé, Véronique, ça donne maintenant l'opportunité de Vincent de faire la manœuvre de contournement. S'il cache bien sa pierre, mordeuse du 8 pieds, alors Félix n'aurait d'autre choix que d'essayer la sortie montée ou un placement gelé. Donc, une opportunité de deux points pour Vincent ici. Mais ça prend une très bonne pierre. Ça prend une pierre parfaite. Alors... On appelle poids ligne de T. Un peu trop profond? Ça pourrait laisser la sortie monter à Félix. Oh,
Alors, elle demeure première pierre, c'est très bien. Donc, une courte sortie montée pour Félix Asselin, où on pourrait aller du placement et aller se geler sur la pierre rouge en question, mais sortie montée d'environ 4 pieds pour Félix. Disons qu'il ne les rate pas souvent. Alors, je profite de l'occasion pour remercier mes joueurs, Véronique, Daniel Gilbert, mon cinquième, René Dubois, Pierre-Luc Morissette, François Gionnet, qui ont eu toute une semaine de curling. Alors, pour notre équipe trois quarts senior, je pense que la finale était quand même une performance remarquable. Que trois joueurs de ton équipe, dont toi-même, étaient beaucoup trop vieux pour jouer dans cette catégorie. Non, mais en fait, allaient au championnat provincial senior. Oh, c'est serré, Véronique. Oh là là! Ce sera raté par Félix. Alors, la pierre qui courbe trop. Et Félix, qui joue de chance, rate sa pierre, mais roule première pierre dans les cercles. Presque entièrement caché. Ça, on a vraiment joué de chance ici. Mais par contre, on a peut-être joué un balai serré dans le but d'avoir cette option. Et on a vu Martin Crête, à la fin, arrêter l'appel du brossage pour rouler. Ah oui, les premières pierres par environ un pouce. Ouh, et là, Vincent Robert, je veux y aller d'une pierre extrêmement difficile. Je crois que c'est possible. On doit y aller d'un placement, Véronique, et à la toute fin, venir toucher la pierre jaune, la reculer juste un peu, comme la tiquer un peu, comme on dit. Ouais, un petit effleurement. Et on marque deux points. L'important sur ce lancer, Véronique, c'est de lancer. C'est de pas être trop fort. Oui, seulement placement. Ne pas être trop fort. Placement. Trop fort va détruire la ligne. Oui, et on pourrait se faire voler. On peut se faire donc, voler le point. Il faut s'assurer de marquer son point. Si la ligne n'est pas bonne, sa pierre doit finir sur la ligne de T. C'est ça que je partais pour dire. Ligne de T sans brossage. Un poids T-line, pas de balai, comme tu me dis des fois. Pour l'instant, c'est large, Véronique. Ça revient doucement. On est proche de la réussite. Oh, on tente de faire courber. Ça, c'est mauvais signe. Alors, c'est ce qu'on disait. Il devait avoir un poids. Que dans un cas d'échec, on arrive placement pour un et on met le pointage 1 à 1. On ne pouvait pas se permettre de se faire voler un point. Alors, deux vols consécutifs. Le pointage est maintenant de 2-0 pour l'équipe Asselin sur l'équipe Robert. Il voulait passer à un demi-pouce de la pierre maximum. C'était tout près de la réussite. Alors, on va à la pause. On revient par la suite. Alors, Robert, nous sommes de retour à l'Arena Mistook. Alors, à cette grande finale du championnat provincial Tankard Hardline 2023. À 5 heures de Marieville d'Alma. Ben oui. Bien sûr. Alors, équipe Asselin qui a deux vols consécutifs et mène le match 2-0. Donc, ils ont tiré une pierre dans le 4 pieds. Pas de surprise. Non. Surprise pour toi, Robert, que deux vols consécutifs? Honnêtement, oui.
Définitivement. Par contre, pas surpris cependant que Vincent ait peut-être trop essayé son dernier lancer. Il a vraiment joué pour absolument deux points au lieu de s'assurer de son point. Il devait s'assurer de marquer un point. Si on fait une traduction directe de l'anglais, il a surlancé la pierre. Voilà. On dit « overthrow ». Oui. Un peu. Et ça mais comme je te dis, il a vraiment joué absolument pour la réussir au lieu de se dire ben, « on va la jouer ». Si à la fin, on est capable de l'amener avec les balais pour deux, on le fera. Alors, Jean-François Charest, notre compagnie. Bonjour, Jean-François. Bonjour. Alors, notre trésorier préféré de Curling Saguenay, qui gère de maître les finances de cette compétition, qui seront... est-ce qu'on fait un déficit ou on s'en sort, monsieur Jean? À voir dans les prochains jours. Dans les prochains jours, en effet, on vérifiera tout ça parce que... Écoutez, ça nous prend quand même au minimum un léger profit si on veut pouvoir représenter l'événement à nouveau ici à Mistook. C'est un succès phénoménal, disons-le. Je pense que les joueurs sont... Les joueurs sont très, très heureux de l'accueil. Mais ça, ça fait partie hein, de la région, la générosité, oui. L'accueil des gens. L'adamantaire, ils ont beaucoup apprécié. On avait 12 équipes là-bas. Ils ont adoré le site. C'est magnifique pour y avoir dormi hier soir. Hey. Imagine en été, toi, la vue sur incroyable. La rivière. Oh, wow. Là, c'est incroyable. Moi, je suis certain qu'il y a des gens qui vont revenir en été, d'ailleurs, à la Damantale. Alors, si on revient à notre match, on utilise la technique du double garde de coin, Véronique. Et donc, on veut vraiment marquer deux points on ici. On veut vraiment marquer deux points. Et c'est quelque chose, malheureusement, là, pour l'équipe de Félix Asselin, le garde est vraiment très loin de la maison. Mais c'est quelque chose que j'ai discuté dans mes dernières analyses. Oui. Quand on utilise la technique du double garde de coin, après ça, on a quand même de l'ouvrage. Parce on que l'autre travail. Équipe prend le contrôle du centre. Mais de la quand maison. L'autre équipe place un garde zone 1 comme ça, exactement. Elle nous aide énormément. Oui. Alors, on peut parler d'une pierre ratée de M. Asselin ici. Oui, oui. Alors, on voulait vraiment un garde plus proche de la maison. Alors, très belle pierre ici de Jesse Mullen. Oui, on se positionne deuxième pierre, mais une pierre qui ne peut pas être facilement enlevée pour l'instant. Alors, c'était drôle parce que j'ai parlé quelquefois du soft deuce qu'on voit utilisé par... C'est le 2 docile, mon amour. Docile. C'est le 2 docile. Il faut que tu connaisses ton vocabulaire français. Moi, ce matin, je l'ai appelé docile. Le 2 doux. Le 2 doux. Non, c'est le 2 docile. Tu sais que c'est moi qui décide. Okay. Et puis, étrangement, ce matin, tu l'as d'ailleurs utilisé... Sans succès. Sans succès. Tu m'enlèves l'eau de la bouche. Ou plutôt la bière, mais, présentement. On avait tout ce qu'il fallait, mais on a fait 3 demi-pierres consécutives. Alors, c'est très bien pour Émile. Alors là, la guerre des angles est commencée. La pierre rouge, même si elle marque présentement, ça n'a aucune espèce d'importance. Et il y a quand même 3 jaunes pour une rouge. D'ailleurs, on regarde, on pense déjà à la sortie montée. Alors que la garde est environ 2000 pieds devant les cercles, on pense à la sortie montée. Ça veut dire qu'on n'aime pas la situation. Et là, on va y aller d'un point F35 de la part de Jesse Mullen. Oui. La marge d'erreur à l'impact? On parle ici de 8 à 12 microns. Ouf! C'est, même d'ici, là, la vitesse qui sort du axe, c'est totalement incroyable. Oh! Et quelle pierre de Jesse Mullen! La sortie montée de 2000 pieds de Jesse Mullen qui enlève. Et soudainement, c'est net avantage à l'équipe Roberge dans ce bout. Ils ont une pierre gelée sur une pierre jaune et 3 gardes pour travailler. Oh! Aïe, aïe, aïe. Pshh! Et quelle puissance! Écoute, est-ce qu'on avait affaire à un 5 secondes, selon toi, entre les deux lignes de jeu, Jean-François? C'est une bonne question. C'était vite, en tout cas. La pierre s'en venait très vite. Le 5 secondes est la marque de commerce de Jason Gunlawson, que les gens qui regardent les stams connaissent. Lui lance des sorties 5 secondes entre les deux lignes de jeu. J'ai l'impression que celle qui vient de s'en venir est environ à 5,5. Alors, on parle vraiment de sorties que très peu de joueurs sont capables d'exécuter. Il y a plein de gens qui peuvent lancer à ce poids-là, mais sur le palais, c'est une autre affaire. Ah, ben oui. Ben même toi, tu es capable avec un bon coup de bras, là. Oh! On va aller à 6 pour moi, 5, là, honnêtement. Mes jambes sont trop vieilles. Alors là, on a vu une pierre parfaite, encore une fois,
de Martin Crête pour faire changement, qui est venu remplacer le placement gelé. Donc, une nouvelle belle pierre ici. Alors, Oh, là, on voit une situation particulière ici, là. OK, alors, plusieurs spectateurs ont signalé que la pierre qui était mordeuse à gauche des cercles avait touché le coussin. Oui, et rebondi dans la maison. Oui, et normalement, c'est le travail du superviseur sur les glaces de surveiller lorsque les pierres vont vers les côtés, de s'assurer si elles ont touché ou pas. Mais il n'y a pas eu de signal des arbitres, alors un petit manque ici, là. Alors, merci aux spectateurs qui ont été alertes. Oui, très alertes. Ils étaient au moins 7 ou 8 à faire signe, là, que cette pierre devait s'enlever. Alors, Martin Crête, maintenant, vu qu'on a roulé un petit peu, lui aussi, il va d'un poids d'abat. Martin Crête qui ne lance pas la DF-35 lorsqu'il comme Jesse lance Mullen. Très fort comme ça, parfois il va rater. Il a fait la même chose contre nous. Lorsqu'il tente de lancer justement un poids en bas de 6 secondes, sa précision n'est pas tout à fait là. Il nous a donné une opportunité. On a d'ailleurs marqué 3 points dans ce bout-là. Mais avait-on besoin d'un poids en bas de 6 secondes? Non. C'est quand même on voulait tout faire en même temps. On voulait l'enlever et conserver la pierre qu'on lance dans les cercles. Pour faire ça, ça prenait ce poids-là. Bon, on aurait pu se contenter d'arracher tout, mais on aurait roulé à l'extérieur. Alors là, voilà, contournement gratuit avec une pierre déjà dans les cercles. Alors, on s'aligne vers un bout de 2, peut-être même 3 points pour M. Robert. Je serais surpris qu'on ne marque pas au moins 2 points. Ça semble parfait, Véronique. Alors, on dit qu'on ne la veut pas trop profonde. On ne veut pas donner l'opportunité à l'équipe adverse de venir s'appuyer et de briser le bout multiple. Pierre, parfaite. Le garde étant très haut, on pourrait venir enlever cette pierre et demeurer sur le nez de celle-ci. Ça prend quand même un lancer avec beaucoup de précision parce que... Sur des glaces comme ça ici, un garde aussi loin de la maison est à peine un garde, comme on dit souvent. Avec un placement gelé, est-ce qu'on serait deuxième pierre dans les cercles? Je crois que oui. La pierre est quand même mordeuse du cercle de 4 pieds et l'autre quand même le derrière dans le cercle de 12 pieds. Alors, d'après moi, si on est gelé sur le nez de la pierre, je crois qu'on est deuxième pierre. Ça veut dire qu'on a amené la pierre quelques pouces trop loin. Peut-être une demi-pierre de trop? Qu'en penses-tu? Une demi-pierre. Je suis d'accord avec cette assertion. Manœuvre ratée ici de la part de Félix Asselin. Placement à travers la maison. Oh là là, grave erreur. Dans les clés du succès, une grosse performance du capitaine, c'était en lien avec justement la gestion de cette pression. C'est un joueur qui ne rate à peu près jamais. La seule raison qu'il va rater, c'est si la pression de remporter la finale pour aller au brailleur l'atteint. Ce dernier lancé. Très pesant. Là, on peut se geler à nouveau sur la pierre rouge. Et là, il n'y aura plus de place pour sauver les mains. Alors, on voulait un poids de cercle de 8 pieds. Et là, on a passé à travers la maison. Avec une bonne pierre. C'est une bonne marge de manœuvre. Là, c'est complètement... De différence. Oui. Comme dirait Jean-Sébastien Roy, avec qui j'ai joué longtemps, c'est raté. Complètement raté. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jean-Sébastien Roy qui vient de le dire. On salue Jean-Sébastien. On salue Jean-Sébastien. entraîneur de l'équipe des Jeux du Canada qui a remporté le tournoi U18 récemment et qui sont en train récemment de faire une campagne de financement. GoFundMe, s'il vous plaît. Donnez-leur leur soutien. Alors, l'équipe... envoyez-leur quelques dollars.
Alors, équipe du capitaine, je crois que c'est Tremblay. Oui, Raphaël. Raphaël Tremblay, qui représentera le Québec aux Jeux du Canada et en même temps au championnat canadien U18. Et dont le fils de Jean-Sébastien. Coup de place, faut que ça coule. Oh là 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 là, c'est là. Sinon, on risque de donner une double sortie. Alors, je disais, le fils de Jean-Sébastien joue deuxième dans l'équipe. Absolument. Alors, allez les aider, s'il vous plaît. Pierre, parfaite. Alors, on devra frapper. Alors, encore une fois, la puissance de brossage de Jesse Mullen pour faire courber cette pierre. Très beau contrôle. La courbure à cet endroit est quand même assez naturelle. Mais il a passé quand même beaucoup plus large que la pierre de Jean-Michel Arsenault. Oui. Et sur un point de placement, on est capable quand même de faire courber la pierre. Oui, bien, en fait, le côté du brossage qu'on va choisir va avoir un gros impact sur l'endroit où la pierre va finir. On voit que Jesse a vraiment aidé cette pierre à courber à la toute fin. Là, Véronique, c'est la sensation, une des sensations les plus agréables comme capitaine. On doit lancer une pierre, un frappé roulé pour essayer de ne pas concéder trois. Et là, il lance avec un plomb parce qu'il doit rouler très à plat. Donc, vraiment pas une pierre agréable à lancer. Alors, malheureusement, frappe le nez. Ce sera une sortie sur le nez pour 3 points pour Vincent Roberge. Même pas besoin de l'enlever. Même pas. Placement pour 3, Véronique. Oh! Alors, certains capitaines auraient pu choisir de frapper. N'est-ce pas? Pardon? Certains capitaines auraient pu choisir de frapper la pierre ouverte pour le 3 points. Pas ceux de très haut niveau. Mais non, glace d'arena comme ça, avec des belles vitesses, avec les brosseurs qui sont capables de faire 12 pieds de plus, la marge de manœuvre, je crois, est plus grande sur un placement aux 8 pieds. Pieds. Même aux 8 pieds. Ben, aux 4 pieds, tu aurais probablement vu une sortie. La marge de manœuvre est plus grande. Non, mais je veux dire, présentement, là, je veux dire, il y a tout le 4 pieds ouvert. Ça lui prend plein 8. Voilà. Disons qu'au moment où ça prend un 4 pieds plein, on risque d'avoir une sortie. À partir du moment que ça prend une mordeuse 4 pieds ou plein 8, on risque de voir le placement. Mais normalement, le placement aux 4 pieds n'est pas un problème pour un capitaine de qualité. Tout à fait raison, Véronique. N'est-ce pas? Tout à fait raison, Véronique. Comme disait le grand, je ne sais pas trop qui, « If you cannot draw, you cannot skip. » If you can't draw, it's not cannot, it's can't. If you can't draw, you can't skip. Puisque tu me reprends sur le sexe des gars. Alors, un gros 3 points ici pour Vincent Roberge, qui prend les devants 3-2 dans ce match après 3 manches.
De retour avec vous à cette grande finale du championnat masculin Tankard Hardline 2023. Alors, après un gros bout de 3 points pour Vincent Roberge, le pointage est de 3 à 2 après 3 manches. Alors, sans surprise, l'équipe Roberge qui est allée d'une pierre aux quatre pieds, suivie d'un garde-centre et équipe Asselin de garde de coin. Alors, équipe Asselin qui va tenter de générer un bout multiple. Alors ici, le contournement du garde-coin. Alors, pierre parfaite, encore une fois, de Jean-François Trépanier. Vraiment, probablement le meilleur premier sur le circuit au Québec. Qu'en penses-tu, Robert? J'en pense que je n'étais pas encore arrivé, je n'ai pas entendu ton commentaire. Je disais que Jean-François Trépanier a encore deux pierres parfaites, qui est sans doute le meilleur premier sur le circuit présentement au Québec. Écoute, et, c'est certain que là, plusieurs pourraient avoir cette opinion. C'est dur d'affirmer des choses à 100%, là, mais il est vraiment solide. Si on prend en compte sa contribution en plus sur le brossage, je crois que là, ça fait aucun doute. Et je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si c'est l'an dernier ou l'autre d'avant, là, quand il est allé au Brailleur, il était vraiment dans les meilleurs premiers. Oui, oh, il avait eu une excellente semaine en effet. Dans les statistiques, oui. Il était dans le haut du classement. Alors vraiment, là, un joueur de grande qualité. Alors on voit que Vincent Roberge, il va quand même avec de l'offensive ici. Félix a une pierre derrière son garde-coin. Roberge une pierre derrière le garde-centre. Ça va être un autre bout extrêmement intéressant. Alors, ici, on essaie... Oh, malheureusement... Oh non, c'est fracassé sur la pierre d'Alessia. Fracassé? Oui. Ah. Oui. Moi, je leur ai dit, on l'a embouti. Oui, on s'est embouti dans la pierre déjà d'Alessia. On n'a pas réussi la double sortie. On a frappé un mur. Alors, on salue M. Étienne Simard là, de Stratégation Stratégique qui est en train de trouver nos commentaires très humoristiques en même temps qu'il gère les changements de caméra. On est bien heureux, M. Étienne, d'agrémenter votre journée. C'est pour ça que c'est le fun de faire la webdiffusion avec moi. Je crois que ça. Alors, Jessie Molin, maintenant, qu'est-ce qu'on va tenter, Véronique? Alors, entrer une autre pierre dans les cercles ou peut-être ajouter un autre garde à la main. Je crois qu'il ne fait que placer un autre garde. Alors, vraiment protéger sa pierre. On y va. On joue de façon très agressive ici, oui. de la part de Vincent Roberge, qui aurait pu tout simplement aller enlever le garde de coin. Aurait-ce été une bonne idée ou essayer la sortie montée, la double sortie garde-coin et On aurait pu définitivement tenter la sortie montée du garde-coin ou enlever le garde-coin et rouler au centre. Parce que là, présentement, M. Asselin, oui, il peut tenter la double sortie montée, mais il pourrait décider aussi de faire une manœuvre de contournement vers l'extérieur, se mettre première pierre. Oui, parce que la pierre est quand même seulement dans le cercle de 8 pieds, peut-être mordeuse du 4 pieds, pas plus, donc elle se contourne. Mais dans le cas de Félix, si on réussit à faire la double sortie, rouge-jaune, et peut-être même aller frapper celle dans les cercles. Mais je ne comprends pas celle dans les cercles. Si on enlève les deux gardes, on va être bien placé puisqu'on en a une cachée derrière. Oh! On va peut-être enlever notre propre pierre ici. Ah non, j'ai réussi! Alors, excellente pierre d'Émile Asselin. Et là, l'équipe Asselin qui reprend l'avantage du bout. Encore une fois ici, hein, pour faire genre de lancer, ça prend beaucoup de vélocité. On y va très agressivement pour Vincent. Protéger la pierre déjà dans les cercles. Écoute, le motto de cette équipe, je viens de décider pour eux, là, c'est vaincre ou périr par l'épée. Et c'est leur façon de jouer. D'ailleurs, c'est le tout ou rien. On l'a vu tout à l'heure dans la pierre de Vincent. Il n'y avait pas question qu'ils prennent un point. Là. Il allait la faire pour deux ou il allait la rater. Il n'y avait pas de milieu. Alors, M. Arsenault qui a légèrement flotté sa pierre au lâcher. Est-ce qu'elle va revenir suffisamment? Et le lancer qui était un peu trop fort aussi. C'est une pierre ratée pour Jean-Michel. C'est trop près du cercle. C'est une double sortie qui va être facile.
Bien, peut-être pas si facile que ça, parce qu'il y a quand même les... On n'est même pas obligé de la faire. On pourrait même faire juste un frappé roulé. Après, deux pieds derrière le garde de coin. Donc. Encore une fois, avantage à Slink qui se poursuit. Alors ici, on va essayer de frapper le nez pour faire la double sortie, qui laissera par contre un garde-centre qui sera sans doute contourné par l'équipe Roberge, qui joue très, très agressivement depuis le début du match. À suivre. On va probablement devoir retenir notre souffle. Double sortie réussie. Belle pierre de Martin Crête. De plus, cette pierre qui est demeurée dans les cercles, si on essaie d'enlever la pierre jaune qui est présentement dans les cercles, pourrait peut-être aller se fracasser sur cette pierre. Oui. Alors, on voit l'appel ici de Vincent Roberge. Du côté de Vincent. Je ne crois pas qu'on doive jouer sur cette pierre-là. Je crois que l'effet extérieur camouflé, voilà, il y a de la place suffisamment. Mais on va laisser ensuite une sortie montée à l'équipe adverse. Et on sait que l'équipe Asselin n'a pas peur des sorties montées. Non, non. Ils sont très, très puissants, ils sont très précis. Oui. Contrairement à moi. Tu as d'autres qualités, mon amoureuse. Oh, monsieur Jean-François Charest. Trésorier en chef, de retour avec nous. Alors, on appelle ici le brassage pour faire courber la pierre. Vincent Roberge qui a mentionné que ça devait courber encore beaucoup. Oh! Alors, placement réussi. Par contre, et derrière la ligne de T permet le placement gelé à l'équipe adverse. Donc, à l'endroit où se trouve. À l'endroit, Véronique, où se trouve la pierre présentement, on ne peut pas se permettre de jouer la sortie montée, même si on marquerait deux points. Parce qu'à ce moment-là, Vincent Roberge entrerait une autre pierre supplémentaire. C'est pourquoi on va jouer, pour l'instant, le placement gelé. Si on se gèle, on marquerait la première pierre. Et ensuite, il peut y avoir des sorties montées pour plusieurs points. Évidemment, ça prendra une erreur de l'équipe adverse, par contre. Oui. Alors... Alors, Martin Crête, placement gelé au bouton pour marquer le point. Ça semble fort. On ne touche pas du tout, on semble inquiet. Les brosseurs qui ont la main levée disant « c'est fort ». Oh, pierre complètement ratée de Martin Crête. Ici. Alors, chose qu'on ne voit pas souvent, qui accroche légèrement la pierre adverse. Alors, autant Martin que Félix, là, on a eu un placement de raté depuis le début du match, dans des moments importants. Mais me trompais-je ou il n'y a pas eu beaucoup de placements lancés par ces deux joueurs depuis le début du match? Exactement. Ce sont des joueurs qui aiment beaucoup faire des placements, être offensifs. Mais lorsqu'on en lance très peu, c'est plus complexe de savoir le poids exact de la glace et d'avoir la bonne sensation lorsque vient le temps de les lancer. Alors, on salue Émilie Desjardins, qui se rendra à Kamloops, Colombie-Britannique, avec l'équipe Saint-Georges en tant que cinquième, et qui vous offre aujourd'hui les belles images avec la gestion de la caméra. Alors, Robert... On va profiter ici de ce temps de réflexion pour remercier nos commanditaires. C'est une excellente idée. La web diffusion est présentée par la Ville d'Alma, Curling Québec, Curling Saguenay, bien sûr, Microbrasserie Riverbend, Lettrage GD, Damentaire, le Centre de Villégiature, et Strata, gestion stratégique, notre partenaire dans tous nos événements. Il y a également d'autres commanditaires qui nous ont aidés. La ministre André Laforêt et tous les autres députés, tant provinciaux que fédéraux. Le groupe Musicus pour la musique, Bureau des congrès Saguenay-Lac-Saint-Jean, et merci Lac-Saint-Jean-Est, Desjardins, Duchesne Auto, Imagerie Expert, le groupe Autocar Janois et Planète Radio. Vincent Roberge est prêt. Pourrait prendre le contrôle du match ici en volant un point supplémentaire. Et ça nous prend un bon placement gelé devant la ligne de T. Ça nous prend une pierre parfaite ici.
un placement trop fort. Alors, on appelle ligne de tee, fond du cercle de quatre pieds. Alors, les brosseurs ne pourront pas manœuvrer cette pierre. Et là, on tombe en mode prière. On espère qu'elle ralentisse. Alors... si elle ralentit devant, c'est très bon. Oh, c'est excellent! Oh, excellente pierre de Vincent Roberge. Il n'y a pas de place pour se geler. Ce sera la sortie montée, double sortie. Il y aura de la pression sur le prochain lancé de M. Asselin. Alors, ce doit de faire contact à l'intérieur. Il faut qu'il touche une pierre rouge. Ça, c'est ah, bien. C'est ce que je dis. Il doit faire contact. Ah, absolument. Alors, après une très grosse semaine pour Robert, qui organise, joue, gère et... Analyse. Alors, on commence à avoir les yeux cernés et... C'est à peine perceptible. Oh, c'est une belle pierre. Oh, voilà, pierre parfaite de Félix Asselin. Incroyable, pierre de Félix Asselin. Qui, en plus, demeure dans les cercles et marque maintenant 3 points dans les cercles présents? Je crois que oui. Alors, 3 points dans les cercles. Écoute, on n'a rien envié au Kevin Cowie de ce monde avec une pierre comme celle-là. Et là, soudainement, c'est Vincent Roberge qui est dans l'eau bouillante. Dans l'eau glacée? Dans les deux cas, ce n'est pas agréable. Alors ça, c'est un coup, Véronique, qui pourrait faire la différence entre la victoire et la défaite. Oh oui. Alors, Vincent Roberge, qui n'a d'autre choix que d'aller frapper la pierre sur le bouton, rouler caché. Non, ce ne serait pas... rouler caché de quel côté? Du côté gauche, Véronique, j'aurais tendance à dire... oui, c'est ça, le gauche. Parce que de l'autre côté, la garde est haut, on peut venir la sortir. C'est ça, rouler caché derrière le garde. Oui, c'est ça. C'est... tu sais que j'ai de la misère un peu avec ma gauche et ma droite. Et essayer de rester, de demeurer la pierre qui marque aussi. Hein, c'est... je pense qu'ici, on serait content, Véronique, de rouler un peu trop loin et de concéder un 2-1, un placement pour deux. C'est de l'arrière par un seul point. Mais quel mal jusqu'à maintenant! Alors, je crois qu'on veut rouler vers l'intérieur, comme tu parlais. Alors, la pierre qui tombe trop. Alors, la pierre parfaitement cachée derrière le double garde. Très belle pierre. Maintenant, est-ce que Félix est capable de venir la chercher avec un poids de fond de maison, juste la reculer assez pour marquer son 3 points? Je te dirais fond de 8 pieds et terminé avec le brossage. C'est exactement ce type de pierre qu'il a fait contre moi pour marquer 3 points et prendre l'ascendant sur la rencontre lors du tour à la ronde, lors de la partie de la section A. Il y a peut-être cependant une double sortie montée à l'avant qui irait directement sur la pierre en question. Alors, double sortie montée, double sortie. Non, en fait, on veut juste faire une sortie et rouler dehors. Double sortie et pierre de déblayage dans le cercle. Pierre de déblayage. Enlever et rouler. Double sortie, double pierre montée, sortir et rouler. Voilà. On va y arriver. C'est difficile en français, l'analyse du curling. Alors, il y a vraiment plusieurs choix possibles. Effet intérieur avec une pierre juste avec le bon poids. Je crois qu'elle est même possible avec l'effet extérieur. Mais la double sortie montée très longue. Est très longue. Et la pierre qui ira dans la maison reste quand même une pierre de couleur adverse, advenant qu'il frappe le nez de l'autre pierre, il se fait quand même voler un point. Oui. C'est un choix dangereux. On voit Martin Crête qui nettoie la zone où Félix devra pousser la pierre. Donc, on y va avec un poids de fond maison. Alors,
proche des gardes, repousser la pierre rouge pour 3 points, on reprendrait l'avantage du match. Alors, Robert qui chuchote. C'est pour pas qu'ils nous entendent trop, ils nous entendent quand on va le faire. Félix Asselin, le lancer. Alors, on y va avec un poids de fond de cercle de 8 pieds, fond du 12 pieds. Oh! Passe tout près des gardes. Émile Asselin qui perd pied. Alors, est-ce suffisant pour 3 points? On va compter, vérifier le tout. Alors, Julien Tremblay qui enlève les pieds rapidement. Donc, c'est incroyable. C'est réussi pour 3 points. 2 pierres, 5 sur 4 pour Félix Asselin. Consécutive. Alors, il s'est bien repris pour son erreur un peu plus tôt dans le match. On revient après la pause. Pointage est maintenant de 5 à 3 pour Asselin contre Roberge. Nous sommes de retour, Robert, au Centre Mistook-Dalmat pour cette grande finale qui déterminera quelle équipe ira représenter le Québec au championnat masculin. Brailleur, Tim Hortons. Oui. Et quel match allemand. Quelle pierre incroyable. Séquence de pierres incroyables. Wow! Écoute, Robert, je n'ai absolument rien à dire. Il a fait 2 pierres excellentes. Et l'autre joueur en a fait des plus qu'excellentes pour aller chercher 3 points. Avec le niveau de jeu qu'on voit là, on est obligé de se dire qu'on va peut-être, peu importe l'équipe qui va se rendre au brailleur, avoir la meilleure performance depuis longtemps pour une équipe du Québec. C'est impressionnant le niveau de jeu. Alors vraiment aujourd'hui, un match de qualité, très peu d'erreurs. Alors quelques erreurs commises en début de match, mais maintenant que les joueurs ont... Comment on dit ça? Le feel de la glace? Oui, oui, absolument. Mais le meilleur ressenti au niveau de la glace. Alors, vraiment, là... On ne rate pratiquement plus rien. Alors, nous sommes sur le bout de notre chaise. Et donc, Asselin, avec une avance de 2 points, en plus du contrôle des bouts pairs, la tâche sera lourde pour Vincent Roberge. Mais c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes, alors qu'il perdait par 2 points. Il a été chercher un gros 3 points. Deux excellentes pierres encore de Jean-François Trépanier. Alors, Vincent Roberge qui demande le placement gelé à Julien Tremblay. Alors, lors du match Q1-Q2, qui nous présentait les deux mêmes équipes, Julien et Jean-François qui n'ont à peu près rien raté, ni un ni l'autre. Ou la pierre qui est un peu trop légère. Alors, Pierre qui aurait été parfaite s'il avait eu quelques pieds de plus de poids. Alors,
Alors, équipe Asselin ici qui va d'une manœuvre de contournement. Alors, la pierre qui courbe beaucoup. Alors, encore une fois, un lancer trop léger. Alors, quelques rares erreurs. Alors, on mentionnait en début de bout que les équipes ne faisaient pas beaucoup d'erreurs. Alors, on vient de voir ici là, deux pierres de suite là, un peu trop légères. Alors, Jesse Mullen qui va d'un poids F35 pour la sortie montée. Malheureusement, alors courbe un peu trop, rate la pierre à l'intérieur des cercles. Ici, on place un garde devant la pierre rouge pour empêcher la sortie montée. Alors, protéger la pierre dans la maison. On sait que Jesse est capable de lancer très fort, très précisément. Alors ici... On va y aller d'une pierre, encore d'une grande vélocité. Alors, la pierre qui a trop courbé aurait aimé frapper la pierre à l'extérieur du nez. Enlève deux gardes, mais sa pierre demeure devant la pierre adverse qui est dans les cercles. Ici qui replace un garde, tout simplement. Alors, équipe Roberge qui devra enlever des gardes. Alors, on enlève quelques gardes, mais on reste encore garde devant la maison. Alors, beaucoup de gardes rouges. Place un garde pour éviter la sortie montée.
Alors. Garde réussie. Vincent Roberge qui demande le contournement. Venir se placer juste à côté de la pierre adverse. Félix ici qui va tenter de sortir la pierre adverse. Alors, pierre réussie. Alors, Vincent Roberge ici va tenter de frapper et de rouler. Quelque part derrière les gardes pour protéger sa pierre. Peut-être essayer de marquer son deux points. Bienvenue, Robert. Ah ben merci, Véronique. Bien heureux d'être de retour avec toi. Encore, il semblerait encore avoir un bout enlevant avec plein de pierres en jeu.
fait une seule pierre dans la maison. Tout s'est passé devant. Il y a plusieurs gardes. Est-ce que c'est suite à des pierres ratées parce que on est resté à l'avance sans faire exprès? Y aurait-il le changement de vitesse de la glace? Non. C'est plutôt stratégie? Non, c'est plutôt une série de sorties montées. D'accord. Ou enlever deux gardes, mais rester garde, et voilà. Alors, la pierre qui demeure quand même accessible, c'est exactement le même lancer que Félix vient de lancer. Des pierres délicates, ça prend des bons lancers, hein? Il vient juste de la faire, Robert. Ça prend quand même un bon lancer. Ça prend un bon lancer, mais il vient de la faire. Donc, je m'attends à ce qu'il la réussisse encore une fois. Oui, moi aussi. Je m'attends pas à une erreur sur cette pierre. C'est quand même une pierre délicate. Alors, Félix Asselin, continuera-t-il sur sa lancée de pierre parfaite? Alors, peut-être un peu moins de vélocité sur celle-ci. Oh! Passer à un cheveu du garde-coin. Je crois que tous les gens dans la foule sont arrêtés de respirer l'espace d'une demi-seconde. Oh, tout à fait. Et on a pu entendre là. Oh! Oh, définitivement, wow collectif, oui. Mission accomplie pour Félix Asselin, qui forge Vincent Roberge à un seul point. Je crois que Vincent Roberge veut regarder la possibilité d'annuler le bout. Oh là là! Il semble qu'il voit la pierre du bloc de départ. Alors, comme on dit hit what you see. On sent l'inquiétude chez certains partisans sur ce choix de jeu. Et avec raison, on ne voit pas un gros morceau de cette pierre jaune. C'est ce que je dis, hein? On frappe ce que l'on voit et on n'en voit pas gros. Non, alors avec un poids très lourd pour annuler la manche. Aucune marge de manœuvre sur ce lancer, mais il conserverait les bouts pairs par la suite. Ça ressemble à un bout nul que Pierre-Luc Morissette nous a fait en mix avec un cinquième de roche visible. C'est parti. Alors, on voyait la pierre un peu plus que je croyais, Véronique. Là. C'était un très bon choix. Il y avait de la place. Alors, un très bon lancer de M. Robert. Il n'a même pas flirté avec le garde. Non, qu'il annule la manche. Donc, c'est toujours Asselin qui mène 5 à 3 après les 5 premiers bouts. Donc, nous allons à la pause de la 5e manche. Nous revenons dans quelques instants.
De retour avec vous pour cette deuxième moitié du match de la grande finale du championnat provincial Tankard Hardline. Équipe Asselin qui affronte équipe Roberge. Match enlevant, match très serré qui s'est soldé au dernier bout par un bout nul. Alors équipe Roberge qui conserve le marteau en cette sixième manche. Équipe Asselin qui a l'avantage au pointage place donc une pierre dans le cercle de quatre pieds. Alors Vincent Roberge qui demande le garde-coin. Alors, les deux premiers ici qui ne font pas beaucoup d'erreurs. Alors, garde de coin réussi pour Julien Tremblay. On demande ici un garde proche de la maison. Trépanier, important de placer sa pierre bien devant sa propre pierre jaune ou de curler peut-être de un pouce ou deux de trop. Pierre extraordinaire, c'est parfait. C'est presque toujours exactement au bon endroit avec M. Trépanier. Depuis le début du match, on n'a pas vu d'erreur de la part de Jean-François. Vraiment un premier de très grande qualité. Le Benny Bird québécois. J'aime la comparaison. Placement réussi pour Julien Tremblay derrière le garde de coin. Alors vraiment une chaude lutte des premiers ici qui réussissent beaucoup de pierres. Bout similaire au bout numéro 4, mais inversé. Pas la même équipe que le marteau. Mais même stratégie. Exactement. Pour les web spectateurs qui viennent de se joindre à nous, nous sommes au centre sportif Mistook, gracieuseté de la ville d'Alma. Oui. Alors, nos partenaires de web diffusion sont la ville d'Alma, Curling Québec, Curling Saguenay, bien sûr, votre présentateur, Microbrasserie Riverbend, Lettrage GD, l'Adamantaire Centre de Villégiature et Strata Gestion Stratégique. Robert Desjardins, votre hôte, en compagnie de Véronique Bouchard. Pointage de 5-3 pour Asselin contre Roberge. Nous sommes à la sixième manche. Oh, malheureusement, Jesse Mullen qui passe à côté des pierres dans la maison. Et la principale erreur ici, c'est qu'on offre peut-être une double sortie sur les gardes de coin. C'est ce que Félix Asselin... semble dire. Alors, tous les joueurs semblent aimer cette stratégie. Ce n'est pas une double sortie très difficile. Par la suite, ce sera complexe de marquer le 2 points. Pas impossible, mais plus complexe pour équipe Roberge. Alors, lancer pesant fait Émile Asselin, directeur des compétitions à Curling Québec. Lancer qui est trop large. Non, ça, vraiment, c'est un... c'est à peu près le pire résultat, à part passer à côté, Véronique. Alors, vraiment, ici, la pierre qui a... Je ne sais pas si c'est dans la glisse ou c'est au lâcher. La pierre qui est restée au large frappe trop mince. Donc, laisse un garde de coin parfaitement aligné sur la pierre dans la maison. Alors, en l'absence de garde de cendre ici, on a une sortie relativement facile pour Jesse Mullen. Définitivement, on aura un ratio deux pierres rouges pour une pierre jaune dans les prochaines minutes. Oh, M. Charin qui nous amène le bac de moitié-moitié. Oh là 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 là! Pour une somme, M. Charin, de 270 $. 270 $.
Je n'en ai pas pigé cette semaine, alors j'en pige. Hein. Mais pige. Je crois le droit de piger un billet. Alors ici, on n'y va pas d'une sortie F-35, on y va d'un poids qu'on appelle normal. On va demeurer dans les cercles. Alors, comme à l'habitude, là, le coupon gagnant sera affiché à l'entrée de l'arène. Et on roule vers le garde-centre, de coin, pardon. Malheureusement, la pierre qui a trop courbé. Alors, avec un poids de pare-choc arrière, Martin Crête va aller frapper la pierre ouverte et basculer vers la pierre derrière le garde-coin. Je profite de ce moment pour remercier nos bénévoles. Ah, définitivement, Véronique. Qui ont été avec nous toute la semaine. On les remerciera jamais assez. Sans bénévoles, vous savez que des événements comme ça, c'est impossible. Et tout spécialement, Véronique, nos quatre piliers. Oh. Louiselle, Lucie, Madeleine et bien sûr, Luc. Ah oui. Sans eux, il n'y aurait pas eu de championnat, tout simplement. On arrête après deux jours. Non, on ferme les portes. Je ne suis même pas sûre si on commence. Alors, frapper, rouler derrière le garde pourrait être extrêmement payant ici pour M. Arsenault. Ben oui, une rare erreur de la part de Martin Crête, dont la pierre n'a pas assez courbé. Alors, qui voulait basculer vers le garde-coin, être... gelé en angle sur la pierre dans la maison. Ça semble parfait. Je ne sais pas s'il a une double sortie. C'est la question que pose Martin Crête. M. Asselin confirme qu'il n'y en a pas de double sortie possible. Alors, on ne fera que... frapper la pierre ouverte et rouler vers la pierre qui est derrière le garde-coin. Martin Crête, tu as enlevé la pierre rouge et demeuré dans les cercles absolument. Alors, c'est pour ça qu'on utilise un poids de pare-choc arrière. Malheureusement, on roule un peu trop loin, je crois. Ah, c'est dur à dire vu d'ici, hein? On va confirmer dans quelques secondes avec notre écran là, qui a un léger décalage. Je crois que la rouge marque présentement. Alors, puisqu'on parlait de bénévoles, nous allons aussi remercier le Café Chaga Boréal qui a fourni le café pour nos charmants bénévoles. Alors non, ça semble être la bière jaune qui marque, Véronique. On a besoin de double sortie ici pour marquer les deux points. Oh, ça semble trop mince. Oh non, c'est réussi! Non seulement c'est réussi, ça demeure dans les cercles et c'est derrière le garde. Donc encore une fois, une position qui pourrait amener à un bout de deux ou trois points. Les trois points sont à l'honneur aujourd'hui. Il y a eu trois bouts de trois points dans notre demi-finale, dont un étant ma gracieuseté. Là, deux, trois fois, deux fois trois points. Ta gracieuseté ou à ton avantage? Deux à ta gracieuseté et un à ton avantage. Il y a une fois que c'était pas nécessairement juste. C'est pas toujours juste de ma faute, c'est mon amour. Mais au moins un non, était... ma responsabilité. Ah, d'accord. L'autre, je crois qu'on a probablement frappé un débris sur la glace, là. D'accord. La pierre qui a courbé vraiment violemment par rapport à un endroit qui devait rester droit. Je te l'avais pas dit, mais j'étais allé mettre un cheveu. Une.
Merci. C'est vraiment aimable. Alors, Véronique, une autre sortie montée, cruciale pour Asselin. Est-ce qu'il pourra encore étonner par ses poulets de canon à la Kevin Coos? Alors, qui enlève bonne une pierre à nouveau. Pierres. C'est difficile de faire mieux. Par contre, demeure garde devant la pierre dans les cercles et permet à Vincent Roberge de retourner. Impossible de ne pas demeurer devant les cercles en faisant cette pierre. Non, c'est sûr. Mais je veux dire, il laisse quand même l'opportunité à Vincent de mettre une autre pierre dans la maison derrière le garde. Absolument. Donc, le bout multiple est toujours en vie. Le bout de trois points est toujours en jeu. Alors, on est vraiment dans un contexte là, où on voit l'évolution du curling. On pourrait placer un autre garde derrière, une autre pierre derrière le garde, mais on craint la sortie-montée, double sortie. Donc, est-ce qu'on essaie de faire trois points en laissant peut-être une sortie-montée, double sortie qui enlèverait notre bout de deux points? Ou bien est-ce qu'on y va plus sagement pour deux et égaliser le pointage? Puisque l'équipe de Vincent, généralement, va vaincre ou périr par l'épée, comme je le mentionnais plus tôt, je serais étonné qu'on n'aille pas derrière le garde de coin. Avec le balai, deux points, je crois que c'est la bonne choix de toute façon. Avec le balai que je vois dans la maison, je dirais qu'on s'en va derrière le garde de coin. Balai à cette largeur. Non. Alors, comble du bonheur, notre méga bénévole Lucie Larouche, qui vient de gagner le moitié-moitié de la journée. Alors, une des quatre piliers qu'on vous nommait il y a deux minutes. Exactement. Alors, grandement mérité pour Lucie pour tout le travail qu'elle a donné cette semaine. Félicitations, Lucie! Ça semble bon. Peut-être un peu lourd pour l'instant. On doit absolument cacher cette pierre, Véronique. Alors. Et on ne veut pas se rendre jusqu'à la ligne de thé pour ne pas laisser un placement gelé. Alors, pierre parfaite ici. Impeccable. Donc, ce sera à nouveau la sortie montée pour Félix Asselin. Si Félix ne fait pas contact avec une des pierres dans le cercle. Je suis pas trop inquiète étant donné qu'il vient de la lancer. À nouveau, Robert, je pourrais prendre les devants par un point. À nouveau. Et on aurait un troisième bout de trois points. Mais Félix vient tout juste de réussir à se lancer. Mais la pression est haute. J'ai quand même le sentiment que Félix va au moins en enlever une. Ce serait la troisième sortie montée difficile, importante dans le match pour lui. Il s'élance. On appelle le brassage immédiatement. Alors, malheureusement... Cette fois, c'est trop étroit. Alors, Félix... Ça coûtera un autre trois points. Alors, tout de suite, au lâcher, hein, l'appel de la brosse. Alors, le petit coup de bras qui devait être vers l'intérieur. On a raté très peu, Véronique. Très peu. Alors, Félix qui prend... À cette vélocité, ça prend pas grand-chose. Alors, Félix qui prend, malheureusement, ma recette de la demi-finale, c'est-à-dire donner trois points, revenir avec un beau trois points, et redonner un trois points par la suite. Mais quelle finale enlevante! Alors, placement pour trois points pour Vincent Roberge. Alors, les brosseurs semblent aimer la pierre. Gardent la brosse devant pour éviter de frapper un débris. Et ce sera un autre 3 points pour Vincent Robert, qui prend maintenant les devants 6-5. Alors, on voit que la foule est extrêmement heureuse ici. Il y a beaucoup de partisans, évidemment, puisque Jesse Mullen est de la région. C'est le deuxième de l'équipe.
de Vincent Roberge. Alors, on revient après la pause. L'équipe Roberge maintenant 6-5. Non, en bas. Alors, nous sommes de retour à l'aréna Mistook de Saint-Cœur-de-Marie, ville d'Alma. Véronique Bouchard en compagnie de Robert Desjardins dans ce match de finale tout à fait enlevant qui nous garde sur le bout de notre siège. Incroyable, Véronique. C'est, si tu en avais un, Robert. Ce calibre de jeu est fantastique. Ah oui, je suis debout depuis le début. Tu as bien raison. Non, je ne pourrais pas rester assis. C'est bien trop enlevant. C'est vraiment trop enlevant. Alors, quoi, on tient à saluer là, quelques web spectateurs qui nous ont... Ah, tu y allais là-dessus? Alors, on te laisse aller, Véronique. Mais non, mais je m'en allais dire, Robert, saluons nos web spectateurs. Ah bon, on est dans la même place. Mais oui! Alors, nous avons Jay Merchant qui nous salue, qui est très heureux de regagner notre finale et qui demeure maintenant en Australie depuis plusieurs années. Alors, Jay Merchant, qui a joué un tournoi de double mix à Québec, je crois que c'est l'an dernier... Avec Nathalie Gagnon. Absolument, absolument. Le circuit Goldline Double Mix que j'organise avec beaucoup de plaisir à chaque année. On salue également Noémie Gauthier, Jean-Michel Smith, Étienne Elmalet, Jacques Noël, David Corbeil, qui mentionne que c'est beau de voir à quel point le niveau de jeu a augmenté dans les 10 dernières années. On le voit aujourd'hui, c'est incroyable le niveau de jeu. Alors, vraiment, belle qualité de curling aujourd'hui pour cette finale. Alors, on s'entend que équipe Assain et équipe Roberge étaient les deux équipes favorites pour remporter ce championnat. Ça demeure discutable quand même, là. Si j'avais arrêté de lancer mes pierres n'importe quand. Non, on aurait peut-être eu nos chances. Non, je suis d'accord, Véronique. Alors, les équipes favorites qui ne sont pas d'âge senior. Voilà, merci, exactement. Non, mais écoute, vraiment, là, la puissance des brosseurs fait une différence majeure là, sur les conditions de jeu, de glace qu'on a. Puis, on l'a vu cette semaine-là. Plusieurs de nos pierres. On devait prendre un peu plus large que ces joueurs qui ont des brosseurs puissants. Donc, la marge de manœuvre est moins grande. Si je me rappelle bien, pendant la pandémie, tu as joué beaucoup de 1 contre 1 avec Jesse Mullen. Et Jesse, pour faire la même j'ai tout remporté les parties. Et Jesse, justement, prenait moins large de balai et brossait sa pierre tout de suite au départ tenir la ligne. C'est pas le même genre de technique de lancer. Et on voit que les deux équipes, c'est ce qu'elles font, là, présentement. Non, Jesse, au contraire, lors de ces fameux 1 contre 1 qui a eu le dessus sur l'ensemble des rencontres, là... Peut-être qu'on en a joué à peu près 8, là, ça a dû finir environ 5 à 3 pour lui. Donc, non, Jesse est un joueur très, très solide. Là. Définitivement, le joueur d'avenir masculin présentement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et un des très rares joueurs à être capable de lancer un F-35. Avec précision. On revient à la partie, là. Donc, Jesse, justement, doit se geler sur les pierres jaunes. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé là, lancé? On sait que cet effet extérieur a tendance à demeurer très droit. Alors, oui, Jesse a vraiment lancé un peu fort. Alors, malheureusement,
erreur ici de la part de Jesse Mullen. Et oui, comme tu mentionnais, le côté de la glace est très droit. Alors, si au moment du délivré, on a un petit mouvement du poignet vers l'extérieur... Tu parles du lâcher de pierre, Véronique? Oui. C'est ce que je viens de dire. Oui, le délivré n'étant pas un mot français. Pas grave. La livraison. La livraison. La livraison. Alors, au moment, déjà mieux. Au moment de lâcher la pierre, oui. Si on a un petit mouvement vers l'extérieur, ça ne pardonne pas. Elle glisse environ, honnêtement, de 8 pieds de plus. Ce qu'on a vu cette semaine. Un petit mouvement extérieur glisse 8 pieds de plus. Alors, belle position pour un slam maintenant. Oh, est-ce qu'on va accrocher? Oh. On a raté l'appel de la brosse. C'est très, très rare pour cette équipe. Très rare. Alors, la bière qui semble... Mais peut-être une mauvaise communication de la part des brosseurs que le lancer n'était peut-être pas assez fort? Le lancer, peut-être. Mais la pierre, si elle n'accrochait pas, se rendait exactement au bon endroit. Oui, d'accord. Écoute, là, il y a vraiment une pierre risquée. Il y aurait une triple sortie sur les jaunes, mais il y a un danger de s'accrocher sur les autres à l'arrière. Ouf. Alors, on va y aller pour la grosse pierre ici. Alors, mais... comme je le mentionnais, si on frappe à l'extérieur, vas-y. Là, je partais pour dire, c'est une constante pour l'équipe Roberge, j'y allais beaucoup pour le coup. Elle l'a vraiment mis à fond de train sur ce lancer. Jesse qui rate les autres. Presque réussi, mais sa pierre rouge demeure quand même à un endroit utile pour servir pour une sortie montée si l'autre équipe décide de la laisser là, ce qui ne sera pas le cas. Ils sont conscients qu'elle est dangereuse. Alors, encore une fois, parfois jouer le tout pour le tout, hein, qui peut être dangereux lorsque la pierre n'est pas parfaitement réussie. Oui, mais je crois qu'ici, on sentait quand même le danger, donc on avait une opportunité de peut-être enlever toutes les pierres jaunes. Ici, si on fait la gestion des bouts, l'équipe Roberge pourrait se permettre de donner un 2 points, perdre par un point avec l'avantage de la dernière pierre au 8e bout. Oh, mon amour! Avec 2 marteaux contre 1. Quelqu'un écrit « Robert est encore jeune ». Alors, il est tellement jeune qu'il a de la misère à lire le commentaire. Alors, nous allons demander tout de suite l'adresse courriel de la personne pour lui faire un virement intérêt. Merci. Quel brossage de la part de Jean-François Trépanier. On a peut-être même trop brossé. Oui. C'est tellement puissant que souvent, on se fait surprendre jusqu'à quel point là, ils empêchent la pierre de courber. Incroyable le brossage. Mmh. Alors, donc, alors, on veut frapper la pierre jaune, ricocher légèrement sur la pierre rouge dans les cercles, pour ainsi enlever 2 pierres jaunes à la fois. Malheureusement, une pierre à demi réussie ici. J'allais dire résultat mitigé. On est à la même place. Donc ici, on ne veut pas de ça. Alors, nous étions en train d'écouter la discussion entre Asselin et Crête. Donc, on veut placer la pierre dans le dessus du 8 pieds. L'idée ici n'est vraiment pas d'être marquant. Le dessus. Mais bien d'avoir une pierre que l'équipe adverse ne pourra pas enlever. Alors, placement gelé sur la pierre rouge. Non, on ne veut pas se rendre jusqu'à la pierre rouge. On veut vraiment, je crois qu'on voudrait séparer la ligne de centre en deux. Et là, ça semble rater cette pierre. C'est une pierre ratée par Martin Crête. C'est trop léger. Encore une fois, un placement trop léger. Alors. Ouais, opportunité ratée ici là, pour l'équipe Asselin. Alors, je m'attends dans les prochaines secondes à un temps d'arrêt, Véronique, parce que la situation est cruciale pour Roberge et il y a de nombreuses options possibles.
On regarde plusieurs options ici. Alors, je profite de cette discussion pour remercier encore une fois nos commanditaires, nos bénévoles, les gens dans l'assistance, nos web spectateurs, tous ceux impliqués de près ou de loin dans ce championnat. Je crois que nous avons eu une semaine incroyable et puis nous pouvons dire mission accomplie. Qui a un peu trop courbé. Alors, qui a fait un nez à nez. Aimes-tu l'expression nez à nez, Robert, pour le nose-nose, lorsqu'on essaie une sortie montée? Est-ce qu'elle a été utilisée pendant ma courte absence? Bien, je viens de l'inventer. Parce qu'on sait, c'est parmi nos déblatérations de commentateurs. Nose-nose. Un nez à nez. Ou un nez-nez? Oui, hier, c'est ce que j'ai dit. Alors donc, situation ici, on est en mesure d'enlever la pierre rouge et marquer soudainement 3 points dans les cercles. Oui, malheureusement, la pierre, la sortie montée là, pour équipe Robert. N'a pas eu de succès? Non, on a, comme on dit en anglais, nose-nose ou stuffed it. Est-ce qu'on peut aller se geler sur l'autre pierre rouge? Oh, oh, c'est réussi. Quelle belle pierre. Alors, ça sera le placement gelé là, pour Robert. On n'a pas d'autre choix. On doit sauver la mise. Alors, il y a un danger de... Encore une fois, un bout de 3 points. Quand une équipe joue vraiment bien, avec le marteau, avec des courbures suffisantes, puis des vitesses comme on a, on est supposé avoir des opportunités de marquer 2 points presque à chaque bout. Et souvent, bien, les équipes veulent plus ou moins donner 2 points. Puis souvent, ça va se transformer en 3 points. Justement, je mentionnais à Émilie ce matin que les glaces semblent rapides parce que j'ai entendu tes brosseurs te dire un 3,45 pour un oui, le poids de placement. Qui, normalement, est de 3,20 à 3,30 pour toi. Là. Oui, écoute, oui, c'est puis c'était pas ça au début du tournoi. Après 2-3 parties, c'est soudainement devenu 3,40 avec de la vie pour un déplacement. Oh là là, ça glisse beaucoup, Véronique. C'est le fameux effet extérieur qui tient longtemps. Oui, qui courbe seulement à la toute fin. Et on se doit vraiment ici, avec l'effet extérieur, d'utiliser les brosseurs. Alors, lancer... Alors, lancer moins fort et utiliser le brosseur pourrait aider la courbure. Oui. Voilà, l'instant est grave, Véronique. Si Félix Asselin place sa pierre au bon endroit... Alors, Steve Otis qui dit « Plus belle semaine à vie pour notre équipe ». Alors, Steve Otis, qui est de l'équipe Pascal Girard, qui on salue Steve et on les félicite. Oh, c'est incroyable. Ben, je m'en allais, là. Oh. Qui s'est qualifié via la caravane tenue à Chicoutimi. Équipe qui joue normalement le championnat club et qui, là, par cette victoire à la caravane, s'est classée pour le championnat provincial masculin. Et à sa toute première présence, Robert, je te laisse terminer. Bien, je crois qu'ils ont fait une fiche de 6 victoires, 3 défaites, avec leurs 3 seules défaites contre l'équipe de Vincent Roberge et contre mon équipe, donc les équipes favorites du tournoi. Donc, performance complètement incroyable de leur part. Et moi, je tiens à souligner l'ouverture d'esprit
de Martin Crête, Émile Asselin, qui était sur un comité avec moi-même et d'autres personnes de Curling Québec, donc trois compétiteurs. Mais on a tous eu le même réflexe, on a dit, peu importe ce que nous on aimerait, ce qu'on veut, c'est que plus de gens s'inscrivent. Alors on a mis de côté qu'est-ce que les compétiteurs veulent et on s'est dit, comment on fait pour avoir plus d'inscriptions? Et on s'est concentré là-dessus. D'où est apparu le phénomène des caravanes avec un succès et plus de 30 équipes qui ont participé au processus. Et je partais pour dire avec un franc succès, alors... Félix qui semble faire la même erreur, là. Oui. Ça reste trop droit. Encore une fois, ce côté de glace où la courbure est plus timide, on doit vraiment utiliser le brosseur pour aider la pierre à courber. Alors, le lancer qui doit être un peu léger et travailler avec le brosseur. C'est un endroit très, 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 très délicat. Oui. D'ailleurs, dans ma partie précédemment, j'ai lancé une pierre légèrement de l'intérieur vers l'extérieur. Elle a déboulé, on a passé à côté. Pierre de routine, ça, la glace est tellement fragile à cet endroit. Oui, comme on dit en anglais, tricky. Oui, mais écoutez, glace moi, difficile je te... à cet endroit. Lorsque la semaine avance, les pierres usent. Oui. Parce qu'on a une texture avec un peu sablé au début, la courbure diminue. Ce que doivent faire les techniciens de glace pour compenser, pardon, c'est augmenter la quantité de neige qu'on enlève sur le dessus lors de l'opération appelée le NIP. Alors, je ne sais pas si ça a été fait par les techniciens de glace, mais les glaces ne courbent plus autant qu'on l'espérait. On doit absolument rouler vers l'intérieur. Est-ce suffisant? Non, c'est un appel de brassage raté par Julien Tremblay. Et ça pourrait carrément être 4 points. Mais en faisant cette pierre... Il va probablement lancer très lourd pour l'envoyer entre les deux jaunes. Marquer 4 points. Puis, en même temps, il va probablement fracasser sur une des jaunes. Donc, à mon avis, ça devrait être entre 3 et 5 points, dépendamment d'où la pierre jaune va se rendre. Endroit très délicat. La pierre pourrait débouler. Donc, on doit faire attention au lâcher de pierre. On l'a vu de nos yeux vus. On l'a vu trop de fois. Surtout une fois de trop dans ma partie sur mon lancer. Alors, je tiens à remercier toutes les équipes qui étaient présentes cette semaine, tant chez les hommes que chez les femmes. De forts compétiteurs. Tout le monde s'est battu férocement, même des équipes éliminées côté féminine. Qui ont offert des matchs de grande qualité par la suite. Bravo tout le monde. Alors, vraiment, une extraordinaire semaine pour nous. Lancé qui pourrait amener Asselin au brailleur, quasiment. Alors, ce sera suffisant pour 5 points. C'est fait. C'est 5 points pour M. Asselin. Et là, la pente sera pratiquement insurmontable pour équipe Robert. Quelle pierre! L'angle était là. On a réussi la pierre. 10 à 6 pour M. Asselin après cette manche. On vous revient après la pause.
De retour à l'aréna Mistook de Saint-Cœur-de-Marie, ville d'Alma, pour la finale du championnat provincial Hardline Tankard. Un bout très fructueux pour Asselin. 5 points, mais dernière pierre parfaite. Comme je disais, ça allait être entre 3 et 5 points. Il l'a frappé à l'endroit idéal. 10 à 6. La pente sera lourde. Par contre, il y a eu beaucoup. La pente est lourde. La pente est lourde à monter. Oui, elle est raide. Elle est tapique. Alors, mais il y a eu tellement de gros bouts jusqu'à maintenant. C'est permis d'espérer un 3 points puis de se rapprocher. On tient à remercier Véronique Chagall, Boréal, oui, qui nous ont fourni le café pour toute la semaine, pour nos bénévoles. Alors, on les remercie grandement. Ils s'en est bu du café. On en faisait beaucoup, alors on est vraiment content de leur collaboration. On va en faire affaire avec eux le plus souvent possible, c'est certain. Alors, allez acheter ce bon café. Également, on veut remercier Maxi Chicoutiminard, qui nous a aidés au niveau de la nourriture pour les joueurs après les parties. Oui. Alors, on salue Yannick Godreau, d'ailleurs, un ancien hurleur de haut niveau, qui est maintenant le directeur de ce magasin à Chicoutiminard. Et ce n'était pas un de tes anciens élèves? Non, un ancien joueur avec qui j'ai joué. Ah, t'as joué avec lui? Oui, pendant 2 ans. D'accord. Il me manquait un morceau d'histoire. Alors, encore une fois, les bouts se suivent et se ressemblent. Pierre dans la maison, garde-coin, dans la maison, garde-coin. Alors, vraiment, les deux équipes qui ne commettent pas d'erreur au niveau du premier. Mais la différence, c'est Véronique, on n'a pas continué tout de suite. On a mis un deuxième garde-coin. Mais ce que je disais, c'est que les deux premiers ne ratent presque pas. Alors, vraiment, encore des pierres parfaites de la part des deux... Deux joueurs qui sont probablement au-dessus de 90% dans la rencontre. Je m'étais mal exprimée. Je voulais dire que les bouts se suivent et se ressemblent dans le sens que les premiers... Dans l'efficacité, absolument. Oui, dans l'efficacité et, des deux premiers. Alors, on salue Candide Hébert qui nous remercie pour cette belle semaine de webdiffusion. Alors, malgré les quelques problèmes techniques que nous avons eus ici et là. À quelques reprises, mais quand même, je pense qu'on a fait un excellent travail. Oui. Et les gens ont apprécié. On salue également M. Edwards qui est avec nous. J'aurais plus tendance à dire Madame Megan. Megan, probablement, oui. Megan Edwards. Alors, évitons. De toute façon, comme tu le dis souvent, on ne devrait plus dire Madame ou Monsieur parce que peut-être que l'individu en question est non-binaire. Voilà. Voilà. Alors, on a tenté ici, Véronique, d'aller derrière, partiellement, derrière le garde de coin. C'est une technique pour empêcher l'autre équipe d'y avoir accès. Cependant, on n'a pas tout à fait courbé suffisamment, donc Jesse pourrait... Il ne roulera pas. On tente de rouler de l'autre côté maintenant. Ce sera presque sur le nez. Alors, puisqu'on ne courbait pas suffisamment, on a voulu rouler de l'autre côté. Et, comme on en parlait hier, lorsqu'on tente un roule ou l'autre, souvent, on termine sur le nez. Oui, en effet. Mais c'est pas avec toi que j'en parlais hier. Mais parfois, j'ai remarqué que lorsqu'un capitaine montre on veut rouler vers l'extérieur, mais si ça courbe trop, on roulera vers l'intérieur, ou vice-versa, souvent, on finit sur le nez. Si le lancer est bien fait, il y a des grosses chances que oui. Alors, c'est bien, mais il y a quand même une double sortie roulée derrière le garde-coin. Le plus important pour M. Mullen est de conserver la pierre lancée dans les cercles. Oh, Véronique, à quel point la marge de manœuvre est mince. Là. Dans le dernier bout, l'équipe de Vincent Roberge a raté 2 placements. Jesse a fait un placement trop loin. Même chose pour Vincent. 5 points. Ah oui, c'est... Et ce qui est important de mentionner, c'est de vraiment être capable de capitaliser sur l'erreur de l'équipe adverse, ce que l'équipe Asselin a été capable de faire. Absolument. De façon tout à fait grandiose. Profiter des erreurs. Alors. Donc, que va faire l'équipe Asselin ici? Pourrait enlever la pierre qui est dans les cercles,
Frank effectue la double sortie en enlevant le garde à l'avant et tenter d'enlever celle qui est dans les cercles. Alors, bon, tout simplement tenter d'enlever la pierre. Martin Crête qui disait qu'il n'a pas vraiment de place à rouler vers l'intérieur. Alors, simplement aller la pierre rouge. Effectuée avec succès. Pierre de routine pour un joueur de talent comme Martin Crête. Oui. Charchenault pourra maintenant contourner les gardes de coin. Alors, avec une séquence parfaite de manœuvres de contournement, on pourrait espérer marquer jusqu'à 3 points. Mais il faudra compter par contre sur éventuellement des sorties montées ratées, là, comme on a vu dans le bout tout à l'heure lorsque Félix a raté la deuxième fois. Une des rares erreurs de Félix Asselin aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, si on revient sur les clés du succès du début de la partie. Oui. Alors, pour l'équipe Robert, je m'avais dit d'avoir un bon début de match. Profiter de son marteau. Ils n'ont pas réussi à le faire en début de match. Ils ont fait voler 2 fois. Oui. Mais ça n'a pas semblé être trop punitif. Ils sont quand même revenus de l'arrière 2 fois pour même prendre les devants après 6 bouts. Pour l'équipe Asselin, donc, on demandait une grosse performance du capitaine. Je crois qu'on y est pas mal. Oh, on peut dire ça. On peut dire ça. Mais, tu sais, moi, dans les clés du succès, j'aime beaucoup la clé du succès, Jean-François Charest, faire moins d'erreurs que l'équipe adverse. Non, d'habitude, il dit faire plus de pierres que l'autre équipe. Ben, ça revient au même. Faire moins d'erreurs ou réussir plus de pierres. Ça, c'est vraiment pas un bon résultat parce qu'on a roulé à un endroit où les pierres sont à angle l'une sur l'autre. On parlait d'erreurs ici. Alors, une des rares qu'on a vues de Martin Crête. Alors, je crois que c'est peut-être son 3e lancer raté de la partie après 2 placements trop courts. Bien, c'est sûr, c'est pas une pierre complètement ratée. C'est juste que l'endroit où la pierre a roulé n'est vraiment pas bon. C'est quand même pas ça qu'il essayait. Donc, manœuvre de contournement. Si on peut cacher à nouveau des pierres rouges, là, ça pourrait générer 1, 2, peut-être même 3 points. Mais il faut faire des pierres parfaites pour l'équipe Robert sur chaque lancer jusqu'à la fin. En voici une première. Encore une fois, un placement parfait de Jean-Michel Arsenault. Alors, 2 placements parfaits de Jean-Michel qui placent l'équipe Roberge en très bonne position présentement. Jean-Michel qui a joué un fort match au niveau des placements. Oui. C'est un long même moi. On n'a pas vu de placement raté là, par Jean-Michel. Ou très peu. Écoute, je n'ai aucune... Aucun souvenir d'un placement raté? Je ne pourrais confirmer ni infirmer ton affirmation. Alors, nous avons Chan Esque8R qui nous écrit « Merci pour une belle semaine de curling, Robert, et toute ton équipe. » Alors, on vous remercie, malgré que nous avons de la difficulté à vous identifier. Alors, on veut rouler vers le centre en même temps ici, Véronique. Question de marquer 1 et 2. Compliquer la vie. Ouh. Est-ce réussi? Je ne crois pas que cette pierre est plus proche que la pierre rouge. Si elle n'est pas plus près de la pierre rouge, c'est une opportunité de peut-être marquer 3 points ici. Alors, Jacques Noël également, qui remercie l'organisation pour le tournoi, qui a repris les meilleures équipes du Québec. Alors, une très bonne façon de voir, de faire connaître le curling à la population avec nos magnifiques web diffusions, avec Étienne Simard et Pierre-Luc Brassard, Émilie Desjardins, pour la gestion technique de nos reportages.
à l'analyse. À la commentation loufoque. Oui, nous avons eu beaucoup d'animateurs d'ailleurs. Dominique Simard était présent. Hier, David Lee, Véronique, Émilie, Jean aussi. Jean-François Charest, Jean Lamotte qui est venu nous voir pour une soirée et qui pouvait pas, forcément, il avait un tournoi senior à Kinogami. Alors, merci à tous ces gens également. Xavier Guévin, qui s'est porté au jeu, est venu nous aider également. On va rouler trop loin, par contre, ici. Là. Malheureusement. On va rouler à l'extérieur. Oh là là, quelle erreur ici. Alors, qui marque la question du jour TVA? On ne pouvait pas se permettre de rouler à l'extérieur des cercles. Encore une fois, Véronique, un match de curling enlevant un calibre de jeu relevé. Je m'attends vraiment à ce que l'équipe qui va aller au brailleur, pour l'instant, ça se dirige peut-être vers l'équipe Asselin, devrait, à mon avis, avoir la meilleure performance depuis très longtemps. Si la qualité de jeu se maintient une fois au brailleur, Véronique, avec je crois la pression que ça implique, définitivement, on va avoir une équipe très compétitive. Alors, au grand malheur de Vincent Robert, je crois que c'est la pierre de M. Asselin qui est la plus près du centre. Donc, s'il réussit à placer cette pierre alignée avec l'autre, il n'y aurait pas de double sortie et aucune possibilité de deux points pour Vincent. Il devra se contenter d'un seul point. La pierre est parfaite. Il n'y a pas de deux points possibles. Alors, au quel mieux... Quel lancer, encore une fois, de Félix Asselin. Quelle qualité de brossage, encore une fois. C'est vraiment une pierre de jugement, une pierre d'équipe. Exécutée à la perfection. Et c'est ce qui fait vraiment la différence entre les bonnes, les très bonnes et les meilleures équipes. Alors, cette communication, cette façon de juger les pierres qui fait que les brosseurs ne ratent à peu près jamais le hit. On entend souvent Robert, tu sais que... Véronique, je t'interromps, Véronique. Considérant le pointage, Vincent va y aller d'une bombe atomique pour tenter de faire carrément éclater sa pierre qu'il va lancer pour marquer deux points. Il doit frapper à peine à côté du nez et tenter de rouler de 3 pieds et demi pour marquer deux points. Alors, on voit le coup de bras avec l'extra-rotation. C'était la seule façon d'effectuer la double sortie. Malheureusement, et ce sera la fin du match. Ce sera un vol de deux points. C'est terminé. Victoire de Félix Asselin. Alors, Félix Asselin, qui représentera le Québec au championnat canadien Brier, Tim Hortons. Sais-tu où il se situe cette année? Aucune idée. Moi, je me dis toujours que si je le gagne, on me dira où aller. Alors, Jean-François Prétré-Prénier, premier. Émile Asselin, deuxième. Martin Crête, troisième. Et Félix Asselin, capitaine, qui l'emporte. Félicitations. On s'en va à la pause pour quelques minutes et on revient pour la cérémonie de clôture.
cérémonie des médailles de ce championnat provincial Tankard Hardline 2023, j'invite Jean-François Charest, trésorier et vice-président de Curling Saguenay, comité organisateur, à venir vous adresser un mot. Au nom du comité organisateur, on aimerait remercier nos généreux commanditaires et un merci spécial à tous nos bénévoles qui nous ont aidés durant toute la semaine. Donc, on a eu le droit à du curling exceptionnel cette semaine. Donc, félicitations aux équipes gagnantes. Votre rêve, la remise des médailles. Alors, j'inviterai les médaillés d'argent, pardon, équipe Roberge, capitaine Vincent Roberge. Troisième, Jean-Michel Arsenault. Deuxième, Jesse Mollen. Premier, Julien Tremblay, ainsi que leur entraîneur, Sylvain Duquet. Éric Sylvain, m'excuse. J'invite maintenant la directrice générale de Curling Québec à vous adresser un mot. Allô tout le monde. Au nom de Curling Québec, j'aimerais tout d'abord remercier Curling Saguenay et tout le comité organisateur pour la belle semaine que vous avez présentée. Merci beaucoup à tout le comité et tous les bénévoles. J'aimerais aussi souligner le travail de tous les arbitres, des deux arbitres en chef particulièrement, Jean Terlin et Yves Morissette, qui ont passé toute la semaine ici avec nous autres. Donc, merci beaucoup aux arbitres. Merci également à l'équipe de techniciens de glace qui ont travaillé très fort pour nous présenter des belles glaces. C'était incroyable toute la semaine, donc merci beaucoup à toute l'équipe de glace. Et il faut aussi souligner notre commanditaire officiel, Hardline Curling, qui nous a commandité le volet masculin. Donc merci beaucoup à Hardline. Félicitations aux deux équipes, c'était une bonne finale. Il y avait juste un beau qui a vraiment changé la partie. Fait que félicitations aux deux équipes et bravo à l'équipe championne. Alors, je demande maintenant à l'équipe gagnante de se présenter. Équipe Asselin, capitaine Félix Asselin. Troisième, Martin Crête. Deuxième, Émile Asselin. Et premier, Jean-François Trépanier. Petite photo officielle. Alors, ceci met fin aux championnats provinciaux Tankard Hardline et Scotties 2023. Attends, je vais demander. Pour une fois qu'il dit oui à faire un speech. Alors, je laisse la parole à Félix Asselin qui clôturera le championnat.
J'aimerais faire plusieurs remerciements. Le premier, Véro, Robert, GF, l'organisation cette semaine, honnêtement, c'était excellent. Vous avez fait bravo. Aux techniciens de glace puis aux arbitres, les glaces étaient très belles cette semaine. On n'avait pas à se plaindre. On est très choyés au Québec de pouvoir jouer sur des glaces d'aréna à chaque année. Fait que merci beaucoup. À tous les employés de l'aréna, que ce soit au bar, on l'a utilisé plusieurs fois. Merci. C'était l'accueil derrière les commanditaires pour ce qui est de la nourriture. On a vraiment apprécié cette semaine. L'équipe à Vincent, je comprends le feeling, mais soyez fiers de vous. Puis je sais que vous allez revenir ici. Puis la foule, vous avez été en grand nombre toute cette semaine. Pas toujours de notre bord, mais merci d'être venu et d'avoir mis une belle ambiance dans l'aréna. La dernière chose, j'aimerais aussi féliciter l'équipe à Lori qui a gagné hier. C'est ma copine, mais l'équipe au complet, ils vont nous représenter fièrement aux Scotties. Donc, une bonne main d'applaudissement pour eux aussi. Merci beaucoup.